Trois jeunes femmes qui avaient disparu depuis plus de 8 ans ont été retrouvées en vie lundi dans l'Ohio, aux États-Unis. Amanda Berry, Gina De Jesus et Michelle Knight étaient recluses dans une maison de Cleveland. Trois suspects, trois frères, dont le propriétaire de la résidence, ont été arrêtés. L'alerte a été donnée par un voisin qui a entendu des cris et s'est précipité sur place. Elle tenait une petite fille dans ses bras et elle a dit « C'est ma fille », raconte le voisin à propos d'Amanda Berry. Je ne savais pas qui était le père, je ne savais pas qu'il s'agissait de mon voisin. J'ai pensé qu'elle parlait d'un autre mec. Elle s'est présentée comme étant Amanda Berry et elle a dit « C'est mon enfant ». Gina De Jesus était là-bas aussi, elle n'est pas sortie avec Amanda. La police est entrée dans la maison et les a récupérés. La plus jeune des trois femmes, Gina De Jesus, avait disparu en 2004 alors qu'elle n'avait que 14 ans, selon des médias américains. Pendant tout ce temps, 10 ans, personne n'a su où elle était. Maintenant, c'est fini, on le sait. Elle était ici, indique l'oncle de la jeune fille. Amanda Berry avait été enlevée en 2003, la veille de son 17e anniversaire, alors qu'elle quittait le fast-food où elle travaillait. Michelle Knight, elle, a été portée disparue en 2000, à l'âge de 20 ans, selon les médias américains.